On se complique la tâche un peu avec deux défaites là, en fin de semaine passée. La journée de dimanche, lundi, était peut-être dure, en tout cas pour le coach, là. Puis on sait qu'il y a des équipes dans cette ligue-là qui l'ont déjà faite. Juste l'année passée, l'équipe championne Pont-Rouge perdait 0-2 contre Trois-Rivières en demi-finale, puis elle avait remonté dans la série. Fait que, tu sais, faut se baser là-dessus. C'est pas qu'on joue mal, c'est vraiment notre powerplay qui est défectueux là, depuis le début de cette série-là. À un moment donné, on sent que ça va débloquer quand même les joueurs de talent, cette équipe-là. Tu nous donnes un but en power play dans chacun des matchs, puis on remporte ces parties-là. Pour samedi prochain, là, pour le match numéro 4 à la maison, on est très confiants. Mais avant tout, le vendredi, c'est de débarquer à Sherbrooke et aller chercher une grosse victoire sur la route pour prendre momentum dans cette série-là. J'aimerais qu'on soit peut-être encore plus acharné à aller chercher le. Excuse le terme anglais, là, mais le killer goal. À Sherbrooke, on a pris devant 3-1. Après, on aurait été capable de faire 4-1. Ça aurait déjà été. Une meilleure avance. Puis ici à la maison, on a pris les 23-0 rapidement en première et en deuxième. On n'a pas été capable d'aller chercher ce but-là qui va assommer l'adversaire. Peut-être avoir un petit peu plus de chien autour du net là, quand c'est 3-0 pour aller chercher ce but-là qui va faire mal. Puis qu'après ça, va être peut-être une avance qui va être en tout cas, moins insurmontable. Là, que